Nous sommes de retour dans la maison des maternelles. Marie et Benjamin ont déjà un fou rire. Non. Bon, écoutez, vous êtes en train de ricaner. On ricane. C'est vrai qu'on disait que Marie, de temps en temps, elle a des fou rires. Et on voit, moi, dans le coin de cet œil, et Benjamin dans le même œil, d'ailleurs, ça. Voilà. Je connais personne qui a une tête qui déclenche autant de fou rires. Elle est comme ça. Et parfois aussi, elle fait, au début de l'émission, elle fait. Quand elle baille. Voilà, elle fait. Bon, elle croit qu'on le voit pas, quoi. Hein, mais bon, on l'aime quand même. Si vous avez raté le JT de Benjamin Muller, bah, c'est quand même dommage. Donc, on a parlé émerveillement, Benjamin. Ouais, cultiver l'émerveillement, arrêter de stimuler et surstimuler nos enfants, nos bébés, ce qu'on fait peut-être nous trois d'ailleurs ici, on donne de leçons à personne. Notre invité était très, très bien, je vous conseille de réécouter. Oui, non, il y a un précepte de base, c'est que déjà nous trois, on n'est pas des parents parfaits. Non. Ça, c'est fantastique. Ouais, c'est clair. Et oui, comme d'ailleurs aucun parent. Donc, si vous voulez le revoir, c'est sur France.tv. À suivre maintenant notre dossier consacré à la PMA pour toutes. Un enjeu symbolique de la loi de bioéthique en cours de discussion au Parlement. Et puis Anna, vous allez nous parler ensuite massage du périnée, c'est ça ? Exactement, on va parler massage du périnée avant l'accouchement et après l'accouchement. Vous allez voir, c'est passionnant. Et puis vous serez en direct sur Facebook et sur Instagram. Après l'émission, ce sera aux alentours de 10h15 pour répondre à toutes les questions sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Alors, vous avez une sage-femme et en plus la meilleure d'Europe de l'Ouest sous la main. Donc, profitez-en, allez sur les réseaux, posez-lui toutes les questions, même les plus personnelles. C'est évidemment anonyme. Marie, oui. Turbulette, gigoteuse. Attendez, vous avez vu le message là ? Non. Il y a un papa qui nous dit qu'il est accro à notre émission, etc. Monsieur, dites-le à vos potes, on veut des hommes qui nous regardent. C'est ma femme qui m'a fait découvrir. Oui. Merci Alex. Ouais, ça fait du bien à Benjamin qui se sent un petit peu moins seul. Oh, je comprends pas. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, alors ça, par exemple, ça, c'est pas une turbulette, ça. Ça, c'est un sac de couchage, c'est un nid d'ange. Donc ça, aujourd'hui, je vais vous montrer donc déjà la différence entre... Turbulette Totoro. Ouais, c'est en fait, c'est pas mal. Enfin, on peut faire des petits sketchs. On peut faire semblant de se faire manger par un poisson. Ah ! Alors, du coup, oui. Pardon. On va parler plutôt des gigoteuses, voilà. Voilà, faisons ça, Marie. Bon, allez, tout de suite, c'est l'heure de partager avec nos invités. Restez avec nous. L'Assemblée nationale vient de voter l'article de la loi bioéthique ouvrant la procréation médicalement assistée, donc PMA, à toutes les femmes, c'est-à-dire les femmes seules et les couples de femmes. Le texte sera évidemment ensuite discuté et voté au Sénat. Pour mieux comprendre l'enjeu de cette loi et les réalités familiales qu'elle recouvre, nous recevons ce matin une nouvelle fois le professeur Michaël Grimbert. Merci mille fois d'être avec nous. Bonjour. Professeur. Vous êtes, je le rappelle, gynécologue obstétricien, chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité au sein de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Et puis à vos côtés, il y a Sophie. On est ravis de vous accueillir, Sophie. Vous êtes en couple avec Caroline. Alors vous n'avez pas attendu la loi pour devenir maman grâce à une insémination en Belgique, puisque évidemment, pour l'heure, on est encore obligé d'aller à l'étranger. Ernest a aujourd'hui 2 ans et demi. Et là, vous voulez un deuxième enfant. Et Caroline, votre compagne, est en ce moment même dans le Thalys. Enfin, elle a dû arriver depuis qu'on dit ça, non ? Ouais, ouais, là, elle est arrivée en Belgique. Voilà. Et donc, elle va faire son insémination sans vous. Mais on s'est dit tout à l'heure que ça sera un bon souvenir, du coup. Si, exactement. Si ça tombe aujourd'hui, vous regarderez cette émission tous ensemble, en famille. Ça sera super. Donc, j'imagine, Sophie, enfin, d'ailleurs, on le sait, faire une PMA à l'étranger, c'est toute une organisation. C'est un peu compliqué. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, c'est vrai que c'est un processus qui est très long, très compliqué. Et tout début, comme c'était interdit en France, on ne savait pas trop comment commencer la procédure. Donc, on s'est tourné vers une association qui est l'APGL, l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Et donc, voilà, là, on a pu rencontrer des personnes qui avaient déjà fait cette procédure à l'étranger. Donc, nous, voilà, naturellement, on a décidé d'aller en Belgique parce que c'était à côté de chez nous. Et c'est vrai qu'en soi, juste une insémination, c'est juste une consultation finalement de 25 minutes. Hein, ça peut facilement se caler dans une journée. Mais dès qu'on doit aller à l'étranger, alors là, c'est un peu un parcours du combattant, puisque donc, concrètement, pour moi, je devais me lever à 6h du matin, faire un test d'ovulation. Quand c'était positif, aller appeler la clinique, caler le rendez-vous, acheter les billets de train au dernier moment. Et heureusement que le Thalys, c'est 1h20, parce que sinon, c'est un peu compliqué. C'est, voilà, donc nous, on a vraiment de la chance d'être sur Paris. Hein, des personnes qui habitent à Brest, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, voilà, donc après, il faut aussi avoir un employeur qui est compréhensif parce que voilà, le matin même, on le prévient qu'on ne pourra pas venir au bureau. Voilà, et donc ça, moi, c'était, voilà, c'est une insémination simple. C'est une procédure, voilà, on va dire,
qui est plutôt simple. Mais là, donc, ma compagne, c'est son 10e essai. Et c'est vrai qu'à partir du 5e essai, il nous propose une stimulation ovarienne. Donc, c'est un traitement qui va être plus lourd. Et c'est également voilà, des rendez-vous médicaux de suivi avant. Donc, voilà, c'est toute une logistique en plus. Mmh, oui, c'est évidemment compliqué de faire tout ce chemin. Alors, une fois que la grossesse a débuté, vous avez enfin, je dirais, retrouvé la légalité et puis aussi la sérénité. Oui, alors tout à fait. Une fois qu'on a eu le test de grossesse positif, voilà, on a eu un parcours classique. Pendant tout notre parcours, on a vraiment eu des professionnels de santé très bienveillants. Voilà, par exemple, il y avait notre sage-femme qui animait les cours de préparation à l'accouchement, qui faisait attention de ne pas dire le papa, mais qui disait le ou la partenaire. Donc vous avez senti beaucoup de bienveillance de la part du personnel médical et de tous les acteurs finalement de votre tout à fait de maternité. De la maternité, vraiment, ça s'est vraiment très bien passé. Et il y avait même une fois l'employé municipal, quand Caroline a dû faire l'acte de déclaration de naissance d'Ernest, voilà, qui lui a dit, bah, ouais, elle a dû le déclarer en tant que tiers déclarant et pas en tant que parent. Et elle a été vraiment désolée qu'elle ne puisse pas le déclarer en tant que parent. Donc vous êtes sentie entourée, soutenue ouais, non, tout à fait. C'était vraiment, on a eu beaucoup de chance parce que ouais, ça ne peut pas être forcément le cas partout. Mais voilà, nous, on a eu un bon témoignage. On a reçu pas mal de questions, dont celle de Aude qui vous demande la PMA bientôt accessible en France aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, surtout quand on entend ce parcours auquel elles ont droit? Oui, c'est bien sûr forcément une bonne nouvelle pour nous parce qu'on va pouvoir répondre à quelque chose qui nous semble, pour la majorité d'entre nous, complètement logique. C'est une demande sociétale et quand on regarde la société, c'est des couples de femmes, des femmes célibataires. Donc, c'est un vrai problème de ne pas pouvoir répondre et les mettre sur le même pied d'égalité que des couples hétérosexuels. Oui, être obligé en plus de les conseiller, de leur conseiller d'aller à l'étranger, puisqu'on sait très bien que voilà, ça existe. Quoi. Donc, finalement, vous êtes un peu obligé de conseiller des choses illégales. On n'a même pas le droit, en théorie, de conseiller. Oui, bien sûr. C'est ça qui est terrible. C'est on ne peut pas conseiller. Il faudrait qu'elles viennent à notre consultation, on leur dise on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Au revoir. C'est juste fou. Quoi. C'est comme ça que ça se passe, d'ailleurs, on imagine. C'est complètement comme ça que ça oui, se passe. Oui, bien sûr. Certains s'indignent du remboursement à venir de cette PMA par la Sécurité sociale, alors que tout un tas de médicaments ne sont pas remboursés. Quel est votre avis là-dessus? Non, mon avis, c'est qu'à partir du moment où on accepte de prendre en charge de la même manière les femmes en couple, les femmes célibataires, de la même manière que les hétéros... Principe d'égalité, on se doit de le rembourser. Après, il faut quand même savoir que les détracteurs qui disent que c'est des femmes qui, de toute façon, n'ont pas fait preuve de leur infertilité, il faut savoir que chez les couples hétérosexuels, il y a 10 à 15% des couples chez qui on ne retrouve rien. Donc, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais on ne retrouve rien d'anormal sur les examens. Donc on pourrait très bien dire qu'ils ne sont pas infertiles en théorie. Oui, ils ne sont pas infertiles aux yeux de la médecine, mais on les aide, donc c'est la même chose. Et de la même manière, chez les femmes célibataires et chez les femmes en couple, de femmes, il y a des femmes qui ont des trompes bouchées, il y a des femmes qui ont des problèmes ovariens. Donc bon, enfin, voilà, c'est totalement illogique d'aller dire qu'on ne veut pas les prendre en charge. Sophie, vous êtes posé la question, évidemment, qui fait débat, hein, de l'absence d'un père. Est-ce que ça a été un frein quand même ou pas du tout? Nous, non, ça n'a jamais été un frein. Vraiment, ce qui comptait pour nous, c'est la sécurité affective de l'enfant. Et voilà, donc nous, on se sentait prêtes à assurer cette sécurité affective. Et d'ailleurs, la littérature scientifique montre que les enfants de couples homoparentaux sont aussi heureux que les enfants de couples hétérosexuels. Par contre, nous, c'était posé la question de l'accès aux origines. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi un donneur semi-anonyme danois. Ça veut dire quoi, un donneur semi-anonyme? Ça, vous connaissez son nom vous savez quoi de lui? Alors nous, voilà, on n'a aucune donnée sur ce donneur. On ne l'a pas choisi. En fait, c'est la clinique belge qui a choisi l'identité du donneur. Alors, ils ont fait correspondre quelques caractéristiques avec Caroline, donc typiquement type caucasien ou cheveux marrons. Voilà, mais nous, la possibilité, en fait, c'est que Ernest puisse, à sa majorité, s'il le souhaite, hein, puisque il n'aura pas forcément envie, mais il pourra avoir accès à l'origine de son. Vous ne pouvez pas, mais lui pourra, à sa majorité. Tout à fait. Nous, on ne pourra jamais rentrer en contact avec. Et le donneur non plus, rentrer en contact avec votre enfant. Tout à fait. Lucie nous pose cette question. Qu'est-ce qui va changer du côté des donneurs avec cette loi? À partir du moment où on lève l'anonymat, ben, il va falloir qu'ils acceptent sur le principe de pouvoir éventuellement être recontactés par les enfants qui sont issus de ce don, s'ils en font la demande. Ils n'en feront absolument pas tous la demande. Oui, c'est ça. Donc il ne faut pas non plus aller fantasmer sur ça, parce que ça, c'est les gens qui essayent d'augmenter la crainte par rapport à ça. Pas du tout. On sait qu'en gros, une majorité des enfants ne cherchent absolument pas à aller savoir ce qu'il en est de ce donneur. Oui, c'est le cas dans les pays d'ailleurs où c'est déjà en place.
ouais. où ils expliquent qu'en fait, il n'y a pas de masse d'enfants qui, à 18 ans, vont chercher, vont réclamer quoi que ce soit. Et puis, on va arriver dans un monde où, de toute façon, les tests génétiques vont se répandre partout, pour tout le monde. Et je pense que celui qui voudra savoir, y compris celui qui pense être l'enfant de ses deux parents et qui va s'apercevoir à un moment qu'il ne l'est pas, non, mais ça va se démocratiser partout. Donc, de toute façon, on va retrouver tous les gens qui voudront vraiment retrouver pourront retrouver. Et à ce sujet, Céline, à l'instant sur Facebook, nous demande si la levée de l'anonymat des donneurs concerne les enfants déjà nés ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'appliquer Non, il n'y aura pas de rétroactivité. Donc, ce sera de toute façon, à partir du moment où la loi sera entérinée, à compter de ce moment-là, il y aura un accès. Et avec la levée de l'anonymat et le fait que la PMA soit accessible à plus de monde, est-ce qu'on ne risque pas une pénurie de sperme? Alors, le terme de pénurie, il est compliqué parce que déjà aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire qu'on est en pénurie, et on a 12 à 18 mois d'attente pour un don de sperme. Alors, les SECOS qui gèrent aujourd'hui, les centres de conservation des œufs et du sperme qui gèrent aujourd'hui les dons, vous disent non mais on est à flux tendu mais on n'est pas en pénurie. Bon, attendre 18 mois pour un couple hétérosexuel qui attend déjà depuis des années d'avoir un enfant, etc., il peut mettre à la fin 3 ans à accéder à ce don, et si on lui dit il y a une année supplémentaire pour avoir le don, ça fait déjà, ça fait déjà très lourd. Donc c'est vrai que si on rajoute dans la file active les femmes en couple et les femmes célibataires, bien sûr qu'on va être bien plus qu'à flux tendu, et il y a un risque de pénurie qui est indéniable, ce d'autant que la levée de l'anonymat, dans tous les pays où elle a eu lieu, a été à l'origine d'une baisse du nombre de donneurs, ponctuellement. Ensuite, c'est remonté. Ça repart après. C'est remonté progressivement parce que les gens s'y sont faits, mais c'est aussi remonté parce que les pays ont fait appel aux banques, et notamment les banques de sperme danoises. Et donc là, nous, on n'aura pas le droit de faire appel à ces banques parce que ça veut dire que c'est des dons qui ne sont pas gratuits. Et nous, on veut une gratuité du don. Donc, on n'est pas certain de pouvoir remonter comme les autres pays l'ont fait, ceux qui avaient accès à ces banques. Vous n'êtes pas pour une indemnisation du donneur? C'est le professeur Nizan, qui est votre confrère de Strasbourg, notamment, qui explique que ça pourrait être une bonne idée. Moi, je pense que ce n'est pas délétère de le faire et de le proposer. De toute façon, c'est des petites sommes. Hein. Mais c'est des toutes petites sommes. Donc, je crois que c'est 60 euros en moyenne par recueil. Et à partir du moment où il y a des registres, on va dire qu'un donneur peut donner un nombre limité de fois. Ouais, on ne peut pas devenir donneur de sperme professionnel. Qui donne 10 fois, il ne va pas en faire un métier. Non, et il ne va pas faire sa vie avec ça. Vous qui rêviez d'être donneur de sperme professionnel, vous en parlez depuis longtemps, c'est vrai. On se connaît. Ouais. C'est une obsession. Eh bien, écoutez, non. Bon, en tout cas, Marie... Non, on avait une question directe justement de Solène. Est-ce qu'on peut être donneuse pour une personne de son entourage? Alors aujourd'hui, le don tel qu'il est proposé en France est anonyme et gratuit. Anonyme, ça veut dire qu'on ne peut pas donner pour quelqu'un qu'on connaît. On peut donner pour la banque. Et si on est amené par une personne, admettons qu'une femme ait besoin d'un don d'ovocytes, on va lui dire qu'il y a 3 à 5 ans d'attente en France aujourd'hui. Donc, si elle amène une donneuse, on va lui dire qu'on va te réduire les délais d'attente, mais la donneuse que tu vas amener ne pourra pas donner pour toi. Elle pourra donner pour la banque, mais toi, on va te faire gagner Mais c'est intéressant à savoir. Si on vient avec la donneuse, on peut gagner du temps. Oui. C'est la politique de la carotte, mais quelque pour essayer de pallier un système qui n'est pas efficace. Parce qu'aujourd'hui, ces histoires de pénurie, que ce soit pour les hommes et encore plus pour les femmes dans le cadre du don d'ovocytes... Oui, parce que c'est un peu plus compliqué pour les femmes. C'est plus compliqué, c'est vrai, mais il y a des pays où il n'y a pas ça. Alors, OK, ils dédommagent les donneuses, mais il y a sûrement des politiques et de la communication qui est largement insuffisante en France. Et il faut travailler là-dessus, et il faut sans doute élargir le champ du don... que ce ne soit pas que les SECOS qui puissent faire ce don, à mon avis. Alors, faire un bébé toute seule, est-ce que va aussi permettre la loi en France? Nous avons rencontré Eva, qui est dans cette démarche depuis 4 ans. Elle a raconté son désir d'enfant et son parcours à Fleurs-Mongibaud. J'ai toujours imaginé une famille, mais je n'ai pas réussi de rencontrer la bonne personne. Pour être mère, Eva envisage alors la PMA, une solution qui soulève pour elle beaucoup de questions. Comment je vais m'en sortir pour subvenir à tous les besoins de l'enfant alors que je suis toute seule, ma famille est à l'étranger, au niveau du géniteur de l'enfant, parce que ça va être un inconnu, et qu'est-ce que je répondrai quand mon enfant me poserait des questions? Mais le désir enfant était tellement fort que pour moi, ce n'était pas question de l'abandonner. Sa décision prise, Eva opte pour une clinique en Espagne. Ça fait 4 ans que je suis dans une démarche qui est une démarche très, très lourde. Au total, j'ai fait
environ 12 allers-retours entre Paris et Madrid. En tout, 6 transferts d'embryons pour Eva, une procédure médicale d'autant plus éprouvante qu'elle doit la vivre seule. La dernière fois, j'ai fait une malaise. Après mon transfert, j'étais très, très malade et j'étais toute seule à l'hôtel, sans avoir des amis ou quel qu'il soit à mes côtés. Donc, ce sont des situations vraiment difficiles. Pour rompre la solitude et partager son expérience, Eva crée un blog qui lui a permis de rencontrer Nathalie, une autre célibataire, aujourd'hui maman d'une petite fille de 10 mois. Quand je vois la petite Alice ou je vois le bébé d'autres copines, bah, ça me montre que bah, voilà, bah, il faut continuer et aller à l'avant. Eva ne perd pas espoir et toutes deux se réjouissent aujourd'hui de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. C'est un grand progrès que les femmes célibataires et lesbiennes puissent faire la PMA en France. Elles n'auront plus besoin d'aller en Espagne comme nous. C'est beaucoup moins de stress, je pense, et financièrement, moins de dépenses. Faire un enfant toute seule, c'est désormais possible pour toutes les femmes. Mais comment parler de ce choix à son enfant ? À Alice, il va falloir que je lui raconte son histoire, que je donne du sens. Je commence à en parler devant elle. Et un jour, si elle me pose des questions, selon son âge, je crois que je vais lui expliquer son histoire plusieurs fois dans sa vie. À 2 ans, peut-être, avec les mots d'enfant de 2 ans. Peut-être à 5-6 ans, elle aura d'autres questions. Je lui réexpliquerai encore son histoire avec d'autres mots. Ce qui est très important, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Trouver le sens, donner du sens pour nous, mais aussi pour l'enfant. Elle a un petit sourire qui fait du bien. Professeur Grimbert, les pédopsychiatres qui ont été auditionnés devant la condition ont émis des réserves concernant l'ouverture de la PMA aux femmes seules. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je ne suis pas pédopsychiatre, mais je crois que ceux qui ont été interrogés, il y avait un léger biais dans les pédopsychiatres qui ont été choisis. Et quand on reprend les données de la littérature, il y a très peu d'études qui sont bien conduites. Et celles qui sont relativement bien conduites, avec un suivi à relativement long terme, ont montré qu'il n'y avait pas d'effet. Donc il faut, dans cette commission, en l'occurrence, de l'Académie de médecine, où ils ont interrogé, c'était la commission d'éthique de l'Académie de médecine qui a fait appel à certains pédopsychiatres. Il y avait un gros biais déjà dans cette commission d'éthique qui est présidée par Jean-François Mattei, qui est lui-même anti-PMA d'une manière générale. Donc forcément, on ne peut pas se tirer des conclusions réelles des rapports qui ont été émis par cette commission-là. Mmh. Ça, c'est une certitude. Sophie, Caroline a eu droit à un congé parental à la naissance de votre fils. Je rappelle que vous l'avez porté. Oui. Donc elle a eu le droit au congé parental, mais c'est vrai qu'à la naissance d'Ernest, comme elle n'a pas été reconnue comme le parent légal, c'est vraiment la discrétion de l'employeur de pouvoir offrir ce congé parental. Et on a le cas, nous, de couple où le congé parental n'a pas été accepté. C'est ça. Et elle a pu l'adopter alors, ensuite ? Oui, donc elle a pu l'adopter, mais au bout de 18 mois, et c'est vraiment là une situation ubuesque, puisque elle a dû adopter son propre enfant. Et c'est vrai que le processus d'adoption, c'est vraiment un processus qui est très chronophage et très compliqué. Donc concrètement, c'est aux 6 mois, de 6 mois d'Ernest, elle a dû remplir un dossier pour le donner au tribunal de grande instance. Donc voilà, il fallait mettre l'acte notarial où je consentais à ce qu'elle adopte notre enfant. Elle a dû joindre deux photos. Vous êtes cool quand même, Sophie. Hein. C'est sympa d'avoir dit oui. C'est vrai. Mais je pouvais me rétracter au bout d'un mois, mais j'ai dit non, allez, on y va jusqu'au bout. Et donc il y avait aussi, elle a dû mettre des photos prouvant qu'elle s'occupait d'Ernest. On a dû recueillir une vingtaine de témoignages de proches et de professionnels de la puériculture attestant qu'elle s'occupait bien de l'enfant. Donc ça, c'est la première partie. Et après, il y a une enquête de police. Et concrètement, elle a été convoquée au commissariat et donc elle a subi un interrogatoire justifiant pourquoi elle voulait adopter son propre enfant. Là, c'est pareil, il faut quand même bien tomber, non ? Il faut bien tomber. Donc, on a eu de la chance, à chaque fois, ça s'est très bien passé. Mais après, il y a aussi les policiers qui viennent à notre domicile pour s'assurer des conditions d'accueil de l'enfant. Est-ce que vous deviez être mariée pour l'adopter ou pas ? Oui, tout à fait. Pour Caroline, si elle voulait l'adopter, on était obligés d'être mariés. Il fallait être mariée, sinon ce n'est pas possible. C'est la condition sine qua non. Tout à fait. Donc c'était ça. Donc c'est vrai que c'est un processus très compliqué. Et surtout, il y a une grande insécurité juridique, puisque Caroline a été
reconnu comme parent légal aux 18 mois d'Ernest. Et oui, si vous arrivez quelque chose avant. Ben, s'il m'arrivait quelque chose, Ernest serait considéré comme orphelin et ça serait mes parents qui auraient dû, enfin voilà, qui auraient eu la garde de l'enfant. Et voilà, ça se passe très bien avec nos parents, mais s'il y avait eu un conflit entre mes parents et Caroline, elle aurait eu aucun droit. Justement, la question de la filiation, elle est débattue. Qu'est-ce qui en ressort ? Aujourd'hui, globalement, on va essayer de faire en sorte que de simplifier quand même ce parcours-là. Pour, qu'il y ait... Les rendez-vous chez les flics, tout ça, qui viennent à la maison, c'est peut-être... Voilà, donc c'est quand même l'intérêt aussi de cette loi, à partir du moment où on reconnaît le fait qu'il puisse y avoir de la PMA pour les femmes en couple et les femmes célibataires, on va simplifier toutes les démarches. Elles ne seront pas encore parfaitement identiques à celles qu'il peut y avoir pour un couple hétérosexuel, mais elles sont grandement simplifiées, il n'y aura plus à passer par tout ce process-là. Même les policiers, je me dis, pour eux, ça doit être... Non, ils doivent se sentir un peu de trop quand ils viennent chez vous faire une enquête pour voir si... Ils se sentent un peu de trop, mais souvent, ils voient aussi des situations très compliquées avec des enfants. Donc, même à la fin, ils nous ont remercié de voir Enfin, voilà, ils ont vu la... Des gens chez qui ça se passe bien. Voilà, en fait, finalement, ils nous ont remercié à la fin de la visite. Non, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on est tributaire quand même des gens... Oui, des gens qui rencontrent. Si c'est des gens qui ne sont pas forcément très ouverts, il y avait des risques d'avoir des rapports finaux qui n'étaient pas... Ça, c'est très injuste, en fait, au bout du compte. Alors, parmi les autres mesures de cette loi, il y a l'autocongélation des ovocytes. Est-ce que c'est une bonne chose de permettre à toutes les femmes de congeler leurs ovocytes ? On rappelle qu'avant, c'était uniquement réservé aux femmes qui avaient eu des maladies ou seulement des cancers. C'était quoi le... Aujourd'hui, on peut faire comment ? En fait, c'était relativement flou. Et c'était peut-être pas plus mal, d'ailleurs, pour certaines choses. C'était qu'il fallait avoir une maladie qui, de par son évolution naturelle ou par les traitements qu'elle induisait, pouvait être à risque pour la fertilité. Ça veut dire que l'endométriose, par exemple, ça faisait partie de ça ou pas ? Ça veut dire que l'endométriose faisait partie de ça, et après, c'était en fonction de l'interprétation du médecin de dire qu'il pouvait y avoir une indication ou pas. Donc là encore, c'est assez subjectif quand même. C'était très subjectif, mais quelque part, c'était peut-être pas plus mal, ça laissait une porte ouverte à du sociétal un peu tiré par les cheveux, mais qu'on pouvait faire passer. Là, c'est vrai que ça va ouvrir complètement à toutes les femmes, donc on n'aura pas à chercher... Des arguments pour essayer de faire passer des femmes qui peuvent bénéficier de cette congélation. Ça sera ouvert à toutes les femmes, enfin presque toutes les femmes, parce qu'ils vont mettre une limite de possibilité d'autoconserver quand on n'a pas de problème de santé. Donc il y aura encore une discrimination et une différence entre maladie ou pseudo-maladie à risque pour la fertilité et femmes qui n'ont aucun problème, puisque les femmes qui ont une maladie pourront congeler jusqu'à éventuellement 40 ans. Et quel que soit leur âge, on va dire 18 ans, mais ça peut même se faire chez l'enfant, dans la congélation sociétale, qui devrait pouvoir se faire entre 18 et 40 ans un peu de la même manière, parce qu'il n'est pas question de le proposer chez des mineurs dans cette indication-là, on a mis des restrictions qui sont 32-37 ans. Pourquoi 32-37 ans ? 32, parce qu'on considère que si on congèle avant, on n'en aura sûrement pas besoin, et qu'elles auront fait ça pour rien, et ils nous disent « non, mais on ne veut pas avoir des filles de 18 ans qui viennent nous dire qu'elles vont congeler ». Mais ça, c'est mettre les médecins devant une irresponsabilité, parce qu'un médecin peut très bien dire « Non, ta demande, tu as des ovaires qui fonctionnent parfaitement bien, on évalue, tout va bien, donc on ne congèle pas. » Il faut arrêter de croire que les médecins vont congeler à tour de bras et dire « Oui à tout ce qu'on nous demande. » Donc, mettre une limite à 32 pour éviter finalement ça, à mon avis, ce n'est pas du tout normal. Et après, surtout quand il y a des infertilités inexpliquées, en plus, il y en a plein, on ne sait pas. Il y a des femmes chez qui on aurait congelé à 25 ans et chez qui ça ne marchera jamais. C'est ça. Donc, on n'a pas les marqueurs aujourd'hui pour dire ça va marcher, ça ne va pas marcher, que ce soit naturellement ou médicalement assisté. Et l'autre limite qui est à 37 ans, la limite de 37 ans, elle est mise en place parce qu'on considère qu'après, ça marchera moins bien, c'est vrai, mais ça ne marchera pas mieux chez les femmes qui ont un cancer ou qui ont une maladie et à qui on va autoriser. Donc, finalement, il y a une primeur à celles qui ont une maladie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Enfin, on sait un peu, c'est juste qu'après 37 ans, à partir du moment où ils veulent le rembourser, et c'est là le nœud du problème. Oui, c'est l'argent. C'est l'argent. On veut rembourser ces femmes-là. C'est très louable sur le principe, mais on n'a pas les moyens de les rembourser toutes, en fait. Donc, on va mettre une limite. 32-37, on se dit, ça mettra un certain nombre de patientes qui pourront le faire et qu'on accepte de rembourser. Mais par contre, toutes les autres, ce ne sera pas remboursé, ça va être interdit. Ça voudra dire que si elles veulent le faire, il faudra qu'elles aillent à l'étranger. Ouais, c'est ça. Alors, vous regrettez aussi que la loi n'ait pas élargi le diagnostic préimplantatoire des embryons. On rappelle qu'en France, il est réservé uniquement aux couples qui ont une forte probabilité de transmettre une maladie rare et identifiée de leurs futurs enfants. Sinon, on n'a pas le droit de le faire. Aujourd'hui, non. Et c'est une aberration totale parce qu'on sait que 60 à 80 % des embryons qu'on va replacer en fécondation in vitro
sont génétiquement anormaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne s'accrocheront pas, ils ne s'implanteront pas, ou ils n'évolueront pas et donneront des fausses couches. Donc pour des couples qui sont en attente depuis longtemps de souffrir de certaines infertilités, et a fortiori quand la femme est un peu plus âgée ou les risques génétiques sont plus élevés, ça n'a aujourd'hui pas de sens de refuser de nous faire faire des replacements embryonnaires à tout va, alors qu'on sait très bien qu'on va dans le mur, et faire perdre du temps au couple. On ne va pas augmenter les taux de succès, on va arriver plus vite au succès. Et on ne veut pas le faire à tout le monde, on veut le faire dans certaines indications. Et enfin, il faut arrêter de nous faire croire que ça, c'est de l'eugénisme, parce qu'en fait, on fait déjà un peu ces recherches en prénatal, quand les femmes sont enceintes, on fait des tests de dépistage de la trisomie. Le tri-test, c'est ça. Donc voilà, c'est exactement la même chose, étendue aux autres trisomies qui sont à l'origine de non-implantation ou de fausses couches. Donc on n'est pas en train de sélectionner la couleur des yeux, la couleur des cheveux, je ne sais quoi. Et il faut arrêter de nous dire que ça va être une dérive vers ça. On est, dans ce cas-là, on est déjà en train de faire de l'eugénisme avec le prénatal. Merci, professeur Grimbert, d'avoir ouvert nos chakras ce matin. C'était très clair. Merci beaucoup. Sophie, bon, ben là, on croise les doigts. Hein. Ouais, merci. Vous nous tenez au courant. Bon, on rappelle que votre compagne, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, votre compagne Caroline est en Belgique en ce moment même. C'est sa 10e implantation. Oui, c'est ça. C'est donc voilà, on croise vraiment les doigts. On espère que la famille va s'agrandir. On vous embrasse. Merci à Clémentine Suquet d'avoir préparé ce dossier. À suivre, le tuto de notre sage-femme préférée, Anna Roy, sur le massage du périnée. Mais tout de suite, Benjamin a un appel à témoins. Si vous trouvez qu'il a un vocabulaire très riche pour son âge, qu'il comprend tout très vite, avec en plus une mémoire d'éléphant, est-il intellectuellement en avance, précoce ou surdoué? Lors d'une prochaine émission, nos experts répondront à toutes vos questions sur le sujet. Écrivez-nous sur ce thème lmdm@dep2l.com. Vous verrez peut-être Agathe Le Caron en vrai. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est l'heure de pratiquer. Toc, toc, toc. J'adore faire cette entrée qui est très naturelle. Qu'en pensez-vous, Anna? Ah oui, c'est très naturel. Bon, dis donc, vous avez une belle cicatrice, là. Ouais. Ah, c'est terrible. Qu'est-ce que vous avez fait, un tatou, quoi? Écoutez, oui, c'est votre fils. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Alors, ce matin, on parle du massage du périnée, hein, vous avez bien compris. C'est vrai que les sages-femmes le conseillent parfois. Donc, on va faire le point. Est-ce que vous conseillez, vous, Anna? Bon, attendez, je ne vais pas répondre tout de suite à la question. Bon, d'accord. Vous avez vu comment elle est. Bonjour, Janice. Bonjour. Vous êtes enceinte de 8 mois. Oui. C'est bientôt la quille. Ouais. Est-ce que vous, vous pratiquez le massage du périnée? Est-ce qu'on vous l'a conseillé? Alors, j'ai eu 2 premières grossesses. J'en ai jamais entendu parler. Donc, je suis assez curieuse pour cette grossesse de connaître les avantages. Bon, alors Anna, c'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Hein. C'est très à la mode. Oui. Quand est-ce qu'il faut le faire, alors, ce massage? En fait, il faut distinguer 2 massages du périnée. Le massage qu'on fait avant l'accouchement, pour préparer l'accouchement, et le massage qu'on fait après, qui est plutôt pour assouplir les cicatrices. Alors, c'est 2 choses complètement différentes. D'accord, bah, on commence par celui qui se pratique avant. Donc là, on parle de Janice. À quel moment il faut le faire? Est-ce que ça consiste en quoi et à quoi ça sert? Alors, on conseille de le faire le dernier mois de la grossesse, environ une dizaine de minutes par jour ou un peu moins. Et l'idée, c'est vraiment d'aller étirer la zone. Alors, il y a quand même un problème, il faut bien que je vous mette au courant, c'est que personne n'a jamais prouvé que c'était efficace sur le risque de diminution du risque d'épisiotomie ou de déchirure. Donc, vous pouvez le faire. Moi, je trouve ça top pour apprendre son anatomie, voir où ça se passe. Mais voilà, pas de garantie sur le fait que ça va marcher. Hein. Bon, alors, comment ça marche? Voilà, qu'est-ce qu'on va masser? C'est toute cette zone-là, en fait. Tac, 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 tac. C'est vraiment en bas, pas au-dessus. Alors, le plus simple, c'est, ça peut se faire seul ou à deux. Moi, je trouve que seul, c'est quand même... Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais le compagnon peut s'y coller s'il veut. Hein. Vous mettez le pied sur le bord de la baignoire, par exemple, et vous introduisez votre pouce à l'intérieur du vagin. Là, on va faire comme si c'était... Hop. Et vous allez faire des massages, vraiment, comme ça, et vraiment en étirant. Puis après, vous pouvez faire des petits massages circulaires. Si donc, c'est vraiment l'entrée du vagin qui est un peu vraiment, ferme. Hein, et... Voilà, l'étirer, l'assouplir, le massage. D'accord, OK. On fait ça pendant combien de temps? Idéalement, un mois, tous les jours, pendant un mois. Oui, mais le massage dure combien de temps? Moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Et on fait avec quoi alors? Alors moi, je vous conseille une huile comestible. Ça peut être huile d'olive, huile d'argan, huile de pépins de raisin. Parce que si on peut l'avaler, c'est qu'elle est bonne pour en bas. Ou alors, il y a des huiles spécialement pour le périnée. C'est comme vous voulez. D'accord. En tout cas, agriculture biologique de préférence. OK. Alors, le massage après l'accouchement maintenant. Alors ça, je suis méga fan et malheureusement, personne n'en parle. Beaucoup, en tout cas, beaucoup moins. Bah, la preuve, Janice. Hein, alors, oui. Et alors vraiment, quand on a eu des cicatrices, c'est vraiment dommage. Alors là, c'est moins sympa. Là, vous avez donc soit une cicatrice d'épisiotomie, peut-être une cicatrice de déchirure ou peut-être une petite cicatrice là sur le côté. Il se trouve qu'en fait, les cicatrices, je ne sais pas si vous avez pu constater ça après l'accouchement, mais elles deviennent assez dures.
C'est-à-dire, il peut y avoir un manque de souplesse, comme toute cicatrice comme du corps humain. Comme toutes les cicatrices, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, souvent, la plupart des cicatrices du corps humain, on conseille de les masser. Mais bizarrement, sur le périnée, on ne donne pas assez ce conseil aux femmes pour retrouver vraiment la souplesse d'avant. Donc, moi, je vous conseille de commencer. On dit en général 3 semaines, 1 mois après l'accouchement. D'accord. Soit vous prenez pas tout de suite après l'accouchement. Non, parce qu'il y a encore les points. Il faut attendre que la peau soit bien refermée et que ce soit bien cicatrisé. De toute façon, on ne pourrait pas masser. Voilà. C'est pour ça que je vous dis 3 semaines plutôt que 15 jours. Parce que 15 jours, normalement, c'est bon. Mais comme je ne suis pas sûre, je préfère vous dire 3 semaines, 1 mois. Comme ça, on est sûr. Et alors après, bah, l'idée, là, alors là, je vous mets une cicatrice d'où du bras. D'où le tatou d'Anna. Voilà, c'est ça. L'idée, alors il faut imaginer que c'est une cicatrice du périnée. Vous prenez, vous faites d'abord des petits cercles en appuyant quand même assez fermement, vous voyez, des petits mouvements comme ça, des mouvements d'étirement où vraiment vous allez étirer plusieurs fois la cicatrice, et des fleurages. L'idée, c'est que vraiment la cicatrice redevienne hyper souple. Parce que vous savez, il y a des femmes qui gardent pendant des mois et des mois des douleurs à ces cicatrices. Ça me fait vraiment de la peine d'entendre ça. En fait, de simples massages suffisent. N'hésitez pas. Même pour la douleur, ça fonctionne. Ah, ça marche super bien. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes un peu genre, je ne sais pas trop comment faire, quand vous faites votre rééducation du périnée avec votre sage-femme ou votre kiné, vous lui dites, vous ne voulez pas me montrer comment je fais pour faire cette... On n'ose pas demander. Mais alors, c'est marrant, je ne sais pas si vous avez ça, Janice, mais on est toujours un peu infantilisé. Rabâche dans cette émission, mais je trouve que c'est vrai. On est des petites filles, on se dit, si elle ne m'en a pas parlé, ok, je l'ai entendu dans la maison des maternelles, mais est-ce que vraiment, je ne vais pas me faire passer pour une débile. Alors, ce que je vais vous dire, du coup, systématique, vous avez une cicatrice sur le périnée, césarienne, mais on verra ça plus tard. Massage du périnée obligatoire. On va dire ça comme ça. Ça, allez pêcher, vraiment demander aux praticiens qui vont vous suivre. Bon, Janice, est-ce que vous allez le faire? J'ai eu 2 épisios. En plus, c'est trop dommage. Oui. Mais ça se trouve, vous n'aurez pas d'épisio. Ça fait quand même très mal. Quand on a eu 2 épisios, on en a forcément une 3e? Pas du tout. Ah bon? Non, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, pas du tout. Et là, vraiment masser. Si jamais vous avez une nouvelle cicatrice, masser. Mais c'est trop tard, par exemple, dans le cas de Janice, parce que vous avez accouché il y a combien de temps, le dernier? Non, 3 ans. C'est pas trop tard, mais là, quand on est enceinte, c'est quand même pas très pratique, je trouve, pour se masser la zone correctement. Et si j'ai accouché, moi, il y a 3 ans, il y a 5 ans, je peux quand même masser? Ah oui. Ça va quand même avoir un effet? Oui, moindre que si c'est immédiatement après, mais ça va avoir un effet. C'est comme la rééducation du périnée. Exactement. C'est jamais trop tard. Ouais. Bon, Janice, on veut un faire-part. Hein. D'accord. Vous nous promettez, hein? Oui. Avec la petite photo et tout ça, parce qu'on a comme ça un musée, on met tous les beaux bébés et tout, que nous avons accouché, enfin que j'ai accouché moi-même. Merci beaucoup, Anna. Marie Perarnaud, alors ça va vous intéresser aussi, Janice, mais pour après, comment couvrir son bébé, mon petit chou? Oui, c'est bientôt l'hiver, on va quand même leur mettre un petit drap, une petite turbulette, une petite gigoteuse, dès la naissance et jusqu'à 18 mois, donc encore un petit peu moins longtemps que le périnée, mais quand même. Allez, c'est l'heure de tester avec Marie, tout de suite. Demain, le jour sera. Petite berceuse, Agathe. Écoutez, j'ai pas beaucoup dormi, on ne me tente pas. On se vautrerait bien dans ces turbulettes. On s'y vautrerait. Question de Lamia aujourd'hui dans la fille Clarisse à 13 mois. Alors, elle a bien écouté toutes les recommandations qui disent turbulettes jusqu'à 18 mois, mais son enfant ne supporte plus les turbulettes parce qu'évidemment, la turbulette, c'est fermé, donc ça énerve les enfants qui commencent à marcher. Donc, elle me dit, est-ce que je peux le mettre dans une couette? Non. On peut pas, je suis désolée. Allez, bonne journée. Non, en fait, c'est vrai que c'est des âges où c'est compliqué, ils se mettent debout, ça énerve, mais non, pas de couette avant 18 mois, vraiment, que les enfants soient capables d'enlever la couette. Niveau sécurité, on va quand même faire un petit peu attention. Donc, zoom sur les turbulettes, les gigoteuses, il en existe énormément. Donc de différentes tailles à partir de la naissance jusque 2, 3, 4 ans pour certains. Et puis on va faire attention donc à la taille. Il existe donc, je vous montre des petits modèles, très kiki, des joli, plus ça. Longs, grands modèles. Tout est très beau évidemment, vous allez voir, tout est magnifique. Donc on va avoir des différentes tailles. L'idée c'est vraiment d'ajuster le plus à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit pas trop serré pour ne pas être complètement moulax et pas trop grand pour que l'enfant ne glisse pas au fond de la turbulette. Ça serait quand même dommage. On va avoir énormément de modèles aussi. Vous pouvez, par exemple, chez Kiabi, chez H&M, il y a plein de marques à petit prix. Évidemment, plus on va monter en gamme avec des tissus Ecotex ou bien bio, plus ça va être cher. Donc, on a des turbulettes entre 17, une quinzaine d'euros pour les petits prix et on va monter jusqu'à une centaine d'euros pour évidemment avoir de la qualité, de l'évolutivité. Évidemment, plus on va avoir des choses évolutives et travaillées, plus finalement, ça va coûter si on achète cher. 4 turbulettes, parce qu'on achète 4 tailles, finalement, ça vaut une turbulette complètement, évolutive. Complètement, tout à fait. Donc, l'évolution, elle va être sur différentes choses. On va avoir de l'évolution en taille, donc avec typiquement un système de petits boutons pression qu'on va venir accrocher
pour réduire la taille de la turbulette. Vous voyez que là, je vais avoir une turbulette de petite taille. Et puis, quand l'enfant va grandir, je vais l'ouvrir. Ça, c'est les petites billes qui font ce type de turbulette. Je reviendrai dessus, parce qu'elle a deux fonctionnalités assez incroyables. Et on va avoir, évidemment, les épaisseurs, l'évolution des épaisseurs. Alors, majoritairement, on aura ce type de turbulette. Ça, c'est une turbulette de chez Emma. Donc, on parlait de petit prix, avec la plupart du temps des manches amovibles. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va avoir un tissu pas forcément très épais. On va le mettre sans manches, schlack. La majorité du temps. Moi, j'ai toujours l'impression. Alors, quand les manches pour les turbulettes, moi, je me dis toujours, mais là, ils crèvent de chaud. Les bébés, ils ont quand même des pyjamas en éponge. Pyjama, voilà. Un body. C'est ce que j'allais dire. Il faut ajuster le pyjama, il faut ajuster ce qu'on va mettre en dessous, en fait. Donc, on va pouvoir ajouter éventuellement, si la chambre est fraîche, des petites manches. Ça alors, la température. Pour une chambre de 18-19 degrés, ce qui est normalement, préconisé. C'est ce qu'il faut. Ben, normalement, de, voilà. Sans manches, c'est bien. Non, ben, moi, je trouve que c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a des maisons un peu plus fraîches et on aime bien mettre des manches. Ouais. On a toujours peur que ça dépend des parents. Froid. Voilà. Donc, comment on va calculer la chaleur? Il y a souvent des choses écrites sur les turbulettes TOG. Donc, ça, c'est l'indice de chaleur. Comment ça fonctionne, un indice de chaleur? Donc, je vous ai mis plusieurs, vous allez le toucher. C'est TOG. Plus le TOG va être bas, plus la turbulette va être légère et plus on va monter en TOG, plus la turbulette va être chaude. En règle générale, l'été, on va mettre un TOG 0,5-1, donc ça va être une petite mousseline légère. Et puis l'hiver, ça va être les grosses turbulettes en velours, ça c'est le TOG 3. Moi, j'aime bien prendre entre les deux, c'est-à-dire des TOG 2, et en dessous, on adapte, c'est-à-dire que l'été, on peut laisser en body, voire quasiment pas mettre de turbulettes. Et puis l'hiver, enfin, en tout cas, en avançant dans la saison, on va mettre un pyjama en l'été, coton, puis un pyjama en non. velours. Ça dépend. Si vous habitez à Bruxelles, l'été, vous mettez quand même une petite turbulette. Oh, c'est un degré de moins. Oui, écoutez, ça joue, ça joue. Voilà, donc il y a différentes ensuite fonctionnalités dans les turbulettes. Donc là, les classiques, je vous ai montré la Coco Eco, je ne l'ai pas citée, parce que c'est une fabriquée mignonne. En France. Donc elle est magnifique. Ah, vraiment jolie. Ouais, on a celle-là, et la couleur est sublime. J'ai envie d'en faire un pull éventuellement. Voilà, donc des turbulettes à qualité particulière. Les petites billes, je vous montrais, donc elle est évolutive en longueur et elle va être aussi évolutive en épaisseur. C'est-à-dire que la maman a déposé un brevet, que je trouve ma foi fort malin, c'est qu'elle a une double épaisseur à l'intérieur. Donc on va passer d'un TOG 1, vous voyez là, c'est pas très mal, léger, pas mal. Avec à un TOG 2, rien qu'en insérant cette petite doublure. Donc elle est vraiment super, en plus elle est très très bonne qualité. Donc je vous la recommande, ça c'est les petites billes qui fournissent le petit pochon pour emmener sa turbulette avec son enfant. Deuxième fonctionnalité qui va plaire à Lamia, je ne vous oublie pas Lamia, les turbulettes on the move d'Ergo Baby. Alors la turbulette on the move, qu'est-ce que c'est? C'est une turbulette qui va permettre, vous voyez que là, on a l'impression que c'est une turbulette plutôt classique mon chou. Absolument, absolument, mais pas du tout. Car regardez, on va pouvoir passer le peloton. Ah ça c'est top ça. Voilà, ça veut dire que l'enfant va pouvoir, une fois qu'il marche, on va pouvoir ouvrir. Alors si on veut pas que ça soit ouvert. À mon avis ils sont mignons là-dedans. Avec ça doit être trop, ça doit être trop marrant. Ouais. Patte là. Donc on va pouvoir fermer si on veut pas que l'enfant découvre qu'il y a un trou pour le pied. Donc quand l'enfant est petit par exemple. Et puis une fois qu'il a envie de se mettre debout, eh bien on va pouvoir lui installer un peu à la manière d'un sur-pyjama. Donc ça c'est vraiment canon. Donc là je vous ai mis le modèle un petit peu hiver. On est sur un TOG 2, donc elle est un petit peu épaisse. Et à côté de vous, vous avez le modèle bambou pour l'été qui est bien plus léger. Et le principe reste le même. Donc on va avoir les bretelles qui s'ajustent en fonction de la taille de l'enfant puisqu'elles sont très évolutives bien sûr. Vous voyez, schlac, 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 schlac. Donc dès la naissance, on va pouvoir l'installer en petit. Et ensuite, quand votre enfant marche, eh bien on dézippe ici et on va pouvoir mettre les pieds. C'est malin. Hein. C'est malin. Dernière, bon, ça c'est un peu ma passion. Quand on a envie de se déguiser, qu'on n'a pas du tout envie d'aller se coucher, ça m'aurait étonné. Celle-là. Non mais j'étais obligée. Donc même principe, on sort les pieds. Ça c'est super, jusque 3-4 ans. Et ça dédramatise un petit peu le coucher aussi de se déguiser en abeille. Ça dédramatise aussi la piqûre de guêpe. On est d'accord. Merci beaucoup, je vous en prie. Mon petit chou, pour je les turbulettes. Ah, je ne vous ai pas demandé c'est quoi la différence entre ce que c'était la différence entre une gigoteuse et une turbulette. Pareil. Gigoteuse, turbulette, c'est pareil. C'est ni dans ce que je vous avais montré tout à l'heure, qui n'est pas la même chose. Vous êtes comme moi fan des chroniques de Marie Perarnaud. Vous pouvez les retrouver sur lamaisondesmaternelles.fr, qui est le Graal, le site où la parole est d'or, où vous aurez toutes les réponses à vos questions. Benjamin, le prénom du jour, s'il vous plaît. Le prénom du jour. Oh là là, ça va être compliqué, je crois. Pardon. Je crois qu'il y a les crève. Matins d'ailleurs. Qui la crève. Le vous moquez pas des malades. Le prénom du jour est magnifique. Ça vous a pris d'un coup, vous n'avez pas la crève il y a 5 minutes. C'est Diego. Diego, magnifique prénom. Ça mérite peut-être qu'on se taise et qu'on écoute. Diego, c'est la forme espagnole de Jacques, c'est inspiré du terme grec didasquein qui veut dire enseigner en hébreu, il a également cette signification. C'est la forme espagnole de Jacques. Jaco Diego. Jaco. Dieu a soutenu en hébreu. Diego, c'est un prénom qui a fortement baissé l'année dernière puisqu'il est sorti du top 100, là où il était depuis les années 2000. Mais c'est tout de même un prénom bien aimé des Français. C'est pas possible. Puisqu'il est donné environ 700 fois par an. On les fête quand? C'est super joli. C'est magnifique, franchement. On les fête le 25 juillet. Alors,
des Diego célèbres. Déjà, il y a la chanson de Johnny Hallyday, enfin de Michel Berger. Libre dans sa tête. Et hier, une nouvelle version a été mise en ligne. C'est RTL qui a mis ça en ligne. Ah oui. Toute nouvelle de Diego, Libre dans sa tête. Même si on n'est pas fan de Johnny, ça met les poils, je peux vous le dire, les amis. Zorro, son vrai nom, c'est Diego de la Vega. Exact. Diego Velázquez, le peintre, ou Diego Maradona, le danseur. Et Diego Van Coppenole, qui est très aussi connu. Un sculpteur belge. C'est magnifique. Des choses. Un bouquin, Marie, s'il vous plaît, oui. Pour l'histoire du soir. Est-ce que, comme moi, vous n'aimez pas le cirque? Ah, ouais, je suis pas fan non plus. Ça m'angoisse. Du tout des cirques et des zoos. Donc j'essaie d'expliquer aux enfants que c'est quand même bien de voir les animaux libres. Aux éditions Saltimbanque, regardez comme c'est magnifique. On va reprendre un petit peu tous ces animaux qu'on a l'habitude de voir dans les cirques. Ah, attendez, je vais vous faire une mise en scène. Ou dans les zoos justement, en expliquant que ben oui, il serait quand même bien mieux ailleurs que dans cet aquarium par exemple pour l'ours polaire. Voilà, donc chaque animal est passé en revue avec un pop-up magnifique. On va espérer que ça dure. Il est sublime à partir de 4 ans. Ça ne durera pas, mais bon, mais ça aura plu quand même très tout petit peu. Merci beaucoup Marie, merci Benjamin. Anna vous manque déjà, vous avez plein de questions à lui poser que vous n'osez pas poser à votre sage-femme à vous. Bah, rendez-vous sur Facebook et sur Instagram dans quelques instants pour un Facebook Live avec Anna pour lui poser toutes vos questions. On se retrouve demain à 9h. On se quitte avec Diego et les bébés du jour. Reproduisez-vous pour faire d'aussi beaux bébés.